Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de séances vidéo avec Elastic. J'avais fait une séance complète sur les jambes avec Elastic, séance sur les épaules, le dos, les pecs, les biceps. Donc aujourd'hui, on va faire les triceps. Donc normalement, vous faites les triceps à la suite de la séance dos, pec, biceps, triceps en half body. Hein, l'idéal, c'est comme ça. Et sinon, je fais exprès de décomposer comme ça pour que vous puissiez faire selon votre planning, selon votre emploi du temps, et si jamais vous voulez juste découvrir les élastiques pour voir un peu ce que ça peut faire. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est pas une séance pour les débutants, mais si vous êtes débutant, vous pouvez le faire, vous pouvez adapter les élastiques, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein, ça va vraiment cramer les bras. C'est une méthode d'intensification. Okay? Ce qui est bien avec les élastiques, s'il y a peu de chances de se blesser à un niveau articulaire, parce que bah, il n'y a pas la charge qui va tomber dessus, les élastiques, c'est une résistance progressive, donc ça soulage les articulations, enfin, c'est beaucoup moins traumatisant sur les articulations, hein, d'accord? Donc on va y aller tranquillement, vous allez découvrir ça sur les triceps. Donc on va s'échauffer tranquillement, donc là on va chercher vraiment à lubrifier le coude pour pouvoir faire l'exercice. Si vous avez déjà fait avant la séance dos, pec, les bras sont déjà bien échauffés. On va partir du principe que vous ne l'avez pas fait. Donc on va partir, et en plus vous allez découvrir les exercices ici, on va partir avec une tension très légère. Je ne vais vraiment pas aller loin, je ne veux pas mettre beaucoup de tension dans l'élastique, très léger. L'idée là, c'est vraiment chauffer les articulations. Échauffer les articulations. On n'a pas de douleur musculaire, il n'y a pas de tension musculaire. Okay? Donc là, je fléchis les bras. Et donc là, vous voyez, c'est très souple. Et je tends les bras. Je fléchis, je tends. Okay? Il n'y a vraiment pas de résistance. C'est très, très léger. Voilà. Je mets une petite résistance. Je fléchis, je tends les bras. Okay? Plus ou moins vite. C'est vraiment histoire de lubrifier les articulations. Et c'est de comprendre l'exercice qu'on va faire. Parce que l'exercice qu'on va faire, ça sera une jambe devant, une jambe derrière, bien gainée, bien installée, les bras levés, fléchis les bras, je tends les bras. Donc il n'y a pas d'ouverture des bras, on n'ouvre pas les bras pour l'extension des bras, parce que sinon on n'est plus vraiment sur les triceps. On garde les bras fixes, pas trop serrés, parce que là voilà, on n'est pas trop à l'aise. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez, hein. Moi je suis pas à l'aise, donc j'écarte un peu plus les bras. Ce qui est important, c'est flexion, extension. Okay? Flexion, extension. Ok? Voilà, quelques-uns. Donc là, la même chose. Par contre, on va se pencher en avant, ici, les bras fléchis, et je tends les bras. Je fléchis, je tends. Vous voyez, je suis très souple sur les mains, hein, il n'y a pas trop de résistance. Ça va commencer à traîner un peu les triceps. Donc quand on fléchit les bras, pour comprendre l'exercice, quand on fléchit les bras, voilà, l'élastique est aligné avec mon bras. Ici, il y a une flexion du bras. Dès que je vais commencer à pousser dans l'élastique, je commence déjà à avoir une contraction. Ok? Donc si je suis trop ici, là, il n'y a rien. Si je suis ici, trop droit, là, ici, il n'y a rien. Vous voyez, une partie du mouvement, il n'y a rien. Il faut trouver juste le milieu. Trop aligné ici, en fait, si je suis trop penché en avant, quand je tends les bras, là, si vous me touchez l'épaule, il n'y a plus aucune tension. Donc vous voulez être légèrement penché en avant, les coudes bien en arrière, je tends, tension complète, là, il y a une vraie tension dans les bras, je fléchis, je tends, je fléchis. D'accord? Donc on regarde les jambes légèrement fléchies. Le buste bien sorti, la poitrine sortie, ici. Vous pouvez le faire une jambe devant, une jambe derrière, si vous préférez, peu importe. Ok, on y va, donc souple, là. Ok, tranquillement. Ok, vraiment, il n'y a pas de résistance du tout, hein. Je rapproche même un peu. Vraiment, chauffer les articulations, le mouvement assez rapide. Ok. Donc il y aura trois exercices, on va enchaîner les trois exercices. Là, volontairement, je ne vous mène pas le troisième exercice encore. On va repartir sur les deux premiers pour échauffer un peu plus. On va venir ici. Je vais avancer un peu plus. Okay? Je vais mettre un peu plus de tension dans l'élastique pour commencer à chauffer les triceps. Okay? Donc les triceps, hein, je le répète, c'est l'arrière des bras. Okay? Donc là, flexion des bras, extension. Flexion, extension. D'accord? Donc on y va tranquillement, moins vite. On essaie de bien se concentrer sur les triceps, bien faire le mouvement. Faire attention que les coudes ne s'ouvrent pas. On est droit. Je fléchis. Je tends. Vous voyez, début de mouvement, j'ai des mains au niveau des tempes, je tends les bras, je reviens. L'épaule ne bouge pas, d'accord? Ici, les coudes comme s'ils étaient posés sur un support imaginaire, je tends, je reviens. Donc là, ça veut déjà commencer à chauffer les triceps. On va faire encore 3, 2 et 1. Okay? Ça va commencer à chauffer les triceps. Ça ne va pas être dur en intensité, mais les triceps, vous devez les sortir chauffer. Penche en avant, ici, donc pareil, un petit peu plus loin, on va chauffer un peu, ici, extension, on fait une petite dizaine,
Donc, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, on va partir sur des pompes version triceps. Donc, je vais prendre un support. Vous pouvez le faire sur une table. Plus votre support va être haut, plus ça va être facile. D'accord ? Donc, prenez une table. Si, voilà, prenez une table, une chaise, support plus bas pour que ce soit plus dur. Là, je vais commencer à le faire. Donc, les mains, largeur épaule. Je vais mettre sur les genoux. Je n'agrippe pas les mains. Je souffle sur mes poignets. Je vais fléchir les bras et repousser. D'accord ? Donc, je vais faire en sorte de m'abaisser ici, m'abaisser vraiment les mains au niveau de la poitrine et me repousser du sol. D'accord ? Ici, je me repousse du sol. Il faut vraiment que ça avec triceps qui travaille. Donc, j'avance le buste et je repousse. D'accord ? Ça peut être vraiment, ça, c'est un bon mouvement si on est vraiment sur les triceps. Et c'est même mieux pour cibler que les triceps. Par contre, ça peut être assez traumatisant sur les coudes. Donc là, je vais faire un petit peu version un peu pec, mais c'est très léger pour moi cibler les triceps. Donc, j'avance un petit peu ici. Et je me repousse pas en arrière, mais vraiment droit. Vous voyez que je ne bloque pas les poignets, je laisse tourner. Ok, on y va. On fait une petite dizaine. 1, 2, 3, 4. Plus vous allez ouvrir les genoux, 5 plus c'est facile. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, on va refaire un tour de chauffe, un autre tour de chauffe pour essayer de trouver sa résistance. Là, les muscles commencent à être bien chauffés, donc là, on va chercher à trouver sa résistance. Donc là, je prends un élastique bien plus dur que je vais installer. J'installe mon élastique plus dur, je monte ma résistance. Je mets, j'enlève mon léger à la place. Là, mon élastique dur. J'enlève le léger. Et je reprends l'exercice, là, juste 6 reps. C'est pour me tester, pour commencer à activer mon système nerveux, pour lui faire comprendre qu'on va chercher plus dur, et voir comment je réagis, voir si je le trouve assez dur ou pas. Donc ici, je m'éloigne un peu, et on est parti pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va essayer de face, ici, pour changer d'avant. Là, on est parti pour 6. 1, donc celui-là il est beaucoup plus dur. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va voir les pompes. Les garçons un peu plus durs. Si vous étiez facile tout à l'heure, on va chercher un peu plus dur. Donc ça peut être soit la jambe tendue, soit au sol, comme je vais faire là, ici, sur les genoux au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous jaugez un peu comment vous êtes. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous faites un tour de chauffe pour trouver. Moi, je connais ma résistance. Là, je vais rajouter l'élastique moyennement faible pour vraiment que ce soit dur. L'idéal, c'est que dès mon premier tour, là, on va attaquer. Dès le premier tour, c'est très dur. Et que le deuxième tour, bah, je suis obligé d'enlever un élastique. Okay, on va partir sur 4 tours. Le quatrième tour, c'est ce que j'appelle le tour bonus. C'est pour être sûr que j'ai mis la bonne intensité. D'accord ? Le quatrième tour, normalement, il est optionnel. Si vous faites bien dès le début la bonne résistance, le quatrième tour, il n'y a plus de jus. Donc vous allez devoir mettre moins de résistance. C'est vraiment pour finir tout ce que vous avez en jus. D'accord ? Tout ce qui vous reste. Vous mettez tout ce qui vous reste, vous allez mettre beaucoup moins de force. Logiquement, si je le fais bien, là, je fais deux élastiques, peut-être aller assez loin. Le quatrième tour, je vais faire des pauses. Je vais. Il y aura un élastique, bien sûr, je vais enlever que un. Je vais peut-être finir avec l'élastique le plus faible. Logiquement, ça va peut-être le deuxième tour, je fais avec l'élastique fort. Le dernier tour, je vais peut-être changer, faire la finir avec l'élastique faible. Ok ? Ça veut dire que j'ai bien géré mon truc. Et dès le premier tour, je me suis bien cramé. Ok ? On va attaquer. Donc, tout en 10 répétitions. D'accord ? Et on va faire les 3 exercices. Et après, je mets que 40 secondes de pause. D'accord ? Je mets un temps de repos assez court parce que c'est les bras. On récupère assez vite. Ok, et on va repartir. Ok, c'est ça, je récupère très vite. On va repartir assez vite. L'idée, c'est vraiment, je ne peux pas monter à une minute. Pour le haut du corps, j'ai mis une minute. Là, je me mets un peu moins. On est sur l'endurance de force. Vraiment l'endurance de force. Donc l'idée, je ne récupère pas trop pour repartir. D'accord, c'est une méthode d'entraînement particulière. C'est l'endurance de force. C'est vraiment pour vous aider à bien congestionner les bras et bien ressentir les bras. D'accord,
On est parti, je prépare mon chrono pour les temps de pause. Okay. Donc on y va, on met la tension, on s'installe, on va assez loin, on ne néglige jamais la posture, j'avance et on va partir pour 10 répétitions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, enfléchis bien les bras, 5, pas trop vite, 6, on tend bien les bras, 7, 8, 9, 10. Ok, la deux faces, donc ça c'est beaucoup plus dur. Ici, je sors bien la poitrine, donc en vrai, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, les pompes. Donc on essaie au moins au début les plus durs, peut-être sur les pieds, vous voyez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. 40 secondes de pause, 3 tours encore comme ça. Professionnellement, le deuxième tour, je vais garder toutes les mêmes résistances. Je ne sais pas si je vais arriver. Les pompes à la fin, je vais certainement finir sur les genoux. L'idée, hein, c'est de ne pas finir les 4 tours avec les mêmes résistances. Je prends mon exemple, si je finis, je sais que déjà ça ne va pas le faire, mais si je finissais les 4 tours avec les mêmes résistances, les mêmes distances, c'est que j'ai merdé dès le premier tour. D'accord? C'est que les 3 premiers tours, c'était l'échauffement. Logiquement, dès le deuxième tour, là, je le trouvais très dur dès le début. Surtout qu'on va repartir très vite. On repart dans 5 secondes. Donc là, je fais exprès, hein. J'empêche de récupérer. Je récupère juste suffisamment pour pouvoir repartir. Et on y va. Pour 10. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On passe. C'est parti. 1, 2. Tendez bien les bras. 3, 4. Faites attention de ne pas rouler les épaules en avant. 5, 6, 7, 8. Prenez pas d'élan. 9, 10. Voilà. C'est déjà dur. Allez, les pompes. Sur les pieds ou sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, 40 secondes. Voilà, j'enlève mon élastique fait parce que le deuxième exercice triceps, bah, je commençais à devoir tricher avec les épaules pour finir le mouvement. Donc, c'est pas le but. Ok, donc là je mets que l'élastique fort, je garde que mon élastique fort, j'irai un peu plus loin. 20 secondes, on est reparti. Vous voyez, c'est rapide, hein. Vous allez voir le bras, vous allez bien sentir. Dans 10 secondes, 5, ok, c'est reparti. Allez, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on fasse. On sent bien la poitrine. Hein. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est reparti les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, dernier tour. Donc là, quatrième tour, voilà, c'est le tour bonus que j'appelle. C'est que je suis en train d'hésiter. Est-ce que je garde l'élastique? Est-ce que je mets le bleu, le plus faible? Pas trop, donc je vais garder dans le doute, je vais rester l'élastique rouge. C'est pour vraiment me finir. L'objectif, c'est me finir. Je pense que je peux, au moins le premier tour, le premier exercice, le rouge, ça va passer. L'exercice va être très dur. Si j'arrive pas à faire mes 10 propres, c'est pas grave, c'est le dernier tour. C'est juste pour être sûr que je suis vraiment arrivé à l'objectif que je voulais, hypertrophier mon groupe musculaire sur le triceps. 3, 2, 1. Parti pour le dernier tour. Allez.
1, pensez à changer de jambe aussi. 2, je ne l'ai pas dit, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de face, on donne tout ce qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Alors, si vous refaites cette séance-là, je le dis vite fait, j'avais déjà dit pour les pecs, je vous ai dit, quand vous faites les triceps, je mets toujours la jambe gauche devant, c'est naturellement là où je suis plus fort. Pensez à alterner les jambes, d'accord? Ça ne change rien sur le triceps, ça change juste pour l'équilibre. D'accord, si vous faites toujours la même jambe devant, c'est que vous êtes fort de ce côté-là, vous avez favorisé un gainage. C'est un gainage camouflé que j'appelle ça comme ça, un gainage camouflé. Parce que sans vous rendre compte, l'élastique vous tire en arrière et je vous demande de rester droit. Donc le fait de garder cette posture, c'est ce que j'appelle un gainage camouflé, c'est que vous ne sortez pas le gainage, mais il y a quand même un maintien de gainage pour ne pas bouger comme ça. D'accord? Donc c'est que vous fixez quand même votre gainage, vous rentrez droit pour être droit. Pensez à changer une jambe pour être équilibré des deux côtés. Si vous faites trop souvent la même jambe, vous allez essayer de sentir qu'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Okay, c'est pour ça que c'est important de travailler comme ça les deux côtés. Okay, donc voilà, la séance haut du corps est finie. Hein, dos, pec, biceps, triceps, terminé. Donc on va étirer un petit peu les triceps ici, on va venir derrière. Donc la main dans le dos ici, là prendre le coude, mettre un peu en arrière, étirer un peu plus. 4-5 secondes, pas plus. Ok, pareil, le bras gauche, ici, je prends, je tire, donc je cherche à étirer là, tire un peu plus, voilà. Ok, et on s'agrandit. Ok, ratez pas la prochaine vidéo sur les abdos, abdos gainage, où je reviendrai en détail comment construire votre séance, avec toutes les séances que je vous ai mises, comment faire votre séance, si vous voulez faire un full body ou un body. Comment composer votre séance si vous n'avez pas beaucoup de temps dans la journée, si vous pouvez faire une heure de séance. Okay, je vous expliquerai tout dans les dernières vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo pour les séances abdos gainage. Ciao!